Ah oui, 2012. Je sais pas, regarde lui, il a un calendrier. C'est une belle maison. Ah, ça te dit, regarde que les vélos. C'est malade. Ça, c'est un dyslexe. Un dyslexe, son frère, c'est un tricheur. Oh, ça c'est Cavendish. Ça c'est Cavendish. Bah oui. Ça c'est Wiggins. Oh, ça c'est Cadel Evans. Et ça c'est son coéquipier qui était maillot blanc. Ça c'est Katapski. Ça c'est Evans. Oh, j'ai tout le monde. Ça c'est Cadel Evans. Ouais. Et tu sais ce qui se passe là? Ça c'est Sagan. Bah oui, c'est Sagan. Qui tu veux que les gens le reconnaissent pas? Ça c'est Pino. Ça c'est Thibaut Pino. Gospel on the water. The gospel. On the land, the gospel in every woman, the gospel in every man, the gospel in the garden, the gospel in the trees, the gospel that's inside of you, the gospel inside of me. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the mighty, mighty power. Now, that's the power of the gospel. 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 Vous avez dit quoi à Monsieur Roux? À Monsieur Roux, alors je lui ai dit qu'il allait voir les monnaies là, ceux-là, là, il va les voir tout le long de la course, jamais il va passer devant. Now you may leave tomorrow, and you may leave today, cause you've got to have the gospel when you start out on your way. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the mighty, mighty power. Now, that's the power of the gospel. The power of the gospel. The power of the gospel. Qu'est-ce que t'en penses de la course là? C'est très bien. Je suis très content d'eux. Bah, il a fait une attaquée là, il commence à rattraper. Il essaye de rattraper le peloton qui est devant. Et bien, il fait quatrième, on va lui demander. Il a dû travailler pour revenir parce qu'il avait loupé la bonne échappée. Il a corrigé le tir. C'est bien, Kat. T'es fait enterrer au début, hein? C'est quoi? T'es fait enterrer au début. Ah ouais, mais je peux rien faire. Dès que j'en mettais une, je prends 100 mètres d'avance, il y a tout le train de la mode qui se met en route. C'est pas évident de... Ah ok. Ça va jouer cet après-midi. Alors, vraiment très 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 dur, hein. J'ai bien essayé de m'échapper, mais... Voilà, ça l'a pas fait. Bah, vous roulez pas avec eux là. Et moi je roule pas avec eux, non, mais je peux pas tout faire, monsieur. Déjà ce matin que j'ai fait la course,
Avant j'avais pris le micro, maintenant je vais prendre le micro et ils ont besoin de moi pour les encourager. Allez Chambéry. Voilà, c'est bien Alex là, c'est bien Alex, c'est bien. En début d'année, donc dès le mois de décembre, ils se font des stages en Espagne, en Corse. En... Donc ils sont entre eux quand même. Voilà, là ils se réunissent toute l'équipe, parce qu'après tu as tout un facteur aussi pour les médias, pour les partenaires. Donc il faut les photos déjà, les photos officielles. Ils réunissent les partenaires pour présenter les partenaires, tout ça. Et après pour la gestion de l'entraînement, il y a une plateforme. Donc les coureurs ils déchargent leur fichier d'entraînement sur une plateforme pour que l'entraîneur il ait accès à ces fichiers d'entraînement. Mais après, une fois que la saison est lancée, tu les vois toutes les semaines. Pratiquement, ils sont assez courants. Mais c'est vrai que c'est une lacune dans le vélo. Et nous, au centre de formation, par exemple, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Avoir une unité de lieu pour le suivi d'entraînement, pour le suivi médical, pour le collectif. Je trouve qu'une unité de lieu, c'est quand même c'est super vraiment intéressant. Même si... Benjamin Jasserand, Nils Peters, qui sont chez nous maintenant, ils sont issus de l'école de vélo de Chambéry. Benjamin Jasserin, il a commencé, il était pré-licencié peut-être. Là, ils sont avant les pros, là. Ouais, si tu veux, ouais, c'est l'antichambre un petit peu, c'est la musique. Formation chambérienne. Donc, tu commences à l'école de vélo Chazal, tu arrives jusqu'en junior, si tes prédispositions physiques et ton projet sportif le permettent, ben, tu accèdes au centre de formation. Après, du centre de formation, si tu peux, tu passes professionnel. Voilà. Mais c'est pas. Disons que la filière, elle est faite. Pas que les gars ils aient à faire un choix. Dans le final ils jouent au bluff, ils disent nous on roule plus, on en a trois derrière. Ouais. Donc ce qui se passe c'est que l'autre soit il est obligé de se dévoiler, il se sacrifie, soit tout le monde arrête de rouler, vous revenez, on se retrouve 5 contre 1. Ouais. Tu vois là ça marche parce que Jérémy il peut
il est très fort et physiquement il peut faire ce qu'il veut, mais ça marchera pas tout le temps. Des fois vous pouvez tomber contre plus fort que vous, donc faut jouer avec les nerfs des autres. And I fly away, and I fly away, nobody knows where I go. And I fly away, and I fly away, and I fly away, my destiny is there. And I fly away, nobody knows, nobody knows.